On y va pour le deuxième. Serrez chaleureusement dans les bras de quelqu'un que vous aimez. Chers téléspectateurs, amis internautes d'Ivoire TV, toujours à Toumaudi, c'est le chef-lieu de la région du Bélier et nous sommes en compagnie de Gasco de Sranoin, l'homme connu comme l'artiste au mortier. Il était souffrant il y a cela quelques jours. Aujourd'hui, Gasco de Sranoin se retrouve progressivement. Nous sommes avec lui pour vous fredonner quelques sons de Djomlo. Djomlo, c'est ce que vous voyez. Gasco, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Qui est exactement Gasco? On veut connaître aujourd'hui votre histoire. C'est qui Gasco? Gasco, son nom. Quoi Dieu connaît Justin, dit Gasco Sranoin. Gasco Sranoin, c'est un artiste culturel pur. Je maîtrise le djomlo communément, en français, le xylophone. Qui maîtrise son mortier, un poids bien abordable, au moins 45 kg, qui danse avec sans problème. Mais aujourd'hui, par rapport à la maladie, je suis obligé de me reposer et me bien rétablir pour pouvoir reprendre. Gasco de Sranoin, c'est depuis quand vous avez commencé votre carrière avec la musique? Bien, Gasco Sranoin a commencé à l'âge de bas âge en faisant des histoires drôles que vous appelez les contes. Je me promenais de village en village et
pour pouvoir sortir sur les médias, c'est depuis 1991 et que j'ai obtenu ma carte de Burida le 15 septembre 1997. Les gens commencent à me connaître sur le plan national comme international. En notre temps, c'était la SACEM. Après la SACEM, on a parlé de Burida. Et qu'aujourd'hui, je suis reconnu. On revient tout à l'heure dans l'entretien. Maintenant, on part en musique. La question de savoir, Gasco vient d'où, de quelle région de la Côte d'Ivoire? Gasco, vraiment, c'est ça que j'ai dit, je suis un bégué, je partage pour tout le monde. Hein. Sinon, j'ai un côté Didier Phi. Didier Phi, précisément, Tokbayakoro. Et côté maternel, on a un côté Agba. On a un côté à Ali Borbo Kodiankro. D'accord. Alors, Gasco a choisi le tradi moderne, mais votre manière de jouer est toute particulière. Vous avez votre accoutrement, il y a le haut-fin qui est sur vous, il y a la peau de python. Pourquoi cette particularité et pourquoi ce choix? J'avais les Nesto Djegé chanter avec leur créativité. Ils ont leur manière de créer leur habit. Et moi, je me suis dit, si je veux vraiment être un grand artiste, pour qu'on parle de moi aussi, comme Michael Jackson et la Chris Adams. Le Zaïrois, le Koffi Olomide, ils ont créé leur danse particulière. Donc moi aussi, je dois venir avec mon djomlo, avec mon mortier, avec la peau de serpent, avec le tapa qu'on appelle le Ofi. Là, quand ils sont sur scène, même tous ceux-là qui sont habillés, on sait que lui, vraiment, c'est un artiste culturel pur. Et donc, je faisais la différence entre les autres. C'est ça qui m'a motivé à rester typiquement comme ça. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des critiques, je dirais, c'est vrai, des critiques existent, mais négatives à votre égard, puisque votre manière de vous habiller des gens en Afrique avec cet habillement, on pense automatiquement aux sorciers. Aujourd'hui, tout le monde est né sorcier. Si on veut regarder par là, on ne peut pas faire un art. Vraiment, je suis critiqué tous les jours que tu fais, ça continue. Même il y a des gens qui viennent vers moi pour dire ma manière de m'habiller, c'est affaire de sorcier. C'est à temps d'arrêter de prendre ma voix pour aller à l'église. Je leur ai dit Dieu merci, priez pour moi. Que c'est Dieu aussi qui m'a créé. Et que y a ma manière aussi de soutenir Dieu. Donc c'est ma manière de faire, de jouer. Pour amuser le monde entier. Il y a des gens qui sont fâchés. Mais quand je rentre dans ça, ils sont contents. Donc, affaire de sorcier, si on veut regarder ça, non, on ne peut pas avancer. Donc, jusqu'à présent, on continue de me critiquer. Mais je préfère rester dans ça. D'où tirez-vous votre inspiration? C'est des génies? C'est une création qui est arrivée comme ça? Dites-nous. Bon, l'inspiration. On peut dire que ça vient de Dieu. Mais quand tu es important, que tu sais bien faire, tu es accompagné d'un génie.
Et quand le génie vient vers toi, que tu sais prendre ce génie, vous êtes tout en partie. Tout en partie. Non, l'inspiration vient de Dieu qui a créé même le génie qui suit l'être humain. L'inspiration du génie, on y va. D'accord, pourquoi le choix du Djomlo? Le choix du Djomlo, le jeune a aimé parce que ça part. Tout ce qu'il dit, c'est expliqué. Ça, dans l'ancien temps où il n'y avait pas le tam-tam parleur, c'est ça le génie a montré à l'homme de communiquer avec son homologue. Quand quelqu'un s'en va au champ et qu'il y a un décès au village, qui ne sait pas où est parti son frère, c'est pas le xylophone qui l'appelle. Et quand il écoute, quand il entend ce son, il se rend vers le village, soit à son campement, pour savoir qu'est-ce qui se passe au village. Et je vais jouer ce son qui appelle, qui fait savoir qu'il y a tel truc au village. On y va. Ça veut dire les gens se sont réunis, il y a un qui n'est plus. Et quand il entend ça, où il se trouve, automatiquement, il se rend au village. Chasser tout ce qui est mauvais qui vient vers la maison. On appelle Alou qui chasse les mauvais trucs. Donc si tu es en bourse, quand tu entends ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mauvais vers le village. Donc si tu es une femme ou bien un garçon, tu dois y te rendre au village. Et oui. Thank you.
Gasco de Sanois, le Diomlo est accompagné de mortier. Dites-nous un peu l'histoire du mortier. Pourquoi vous avez choisi le mortier? Oui, j'ai instauré le mortier. Le mortier, c'est pour faire la promotion du mortier, pour ne pas que tout un Africain ne doit pas oublier le mortier. Et pourquoi? Quand Nana Abla Poku, la reine Poku, venait, elle n'a pas oublié son mortier qui partage la nourriture. Mais quand on est arrivé, tout le monde chante. Mais on ne voit pas la danse du mortier. On avait des parents qui faisaient les histoires de les contes. Ils ont dansé un peu dessus. Mais pour faire promouvoir, pour qu'on oublie, moi je me suis mis en idée qu'on va l'oublier. Ma reine, on la boit, j'ai mis le mortier devant le public. D'accord, mais à quoi ça sert exactement? Le mortier partage la nourriture. Le mortier est petit, qu'on appelle bégué. C'est petit, mais ça sert à manger à tout le monde. C'est le petit foutou qui est dedans, que la vieille femme partageait à tous ceux qui l'entouraient pour pouvoir traverser l'eau, arriver ici. Donc, ça veut dire que même si c'est petit, tout le monde doit goûter pour pouvoir avoir une force. On repart en musique. Gasco de Sanois, est-ce que vous avez des albums? Oui, j'ai 10 albums sur le marché. À mon actif, j'ai 10 albums. Vous avez 10 albums, est-ce que vous vivez de votre art? Oui, grâce à Dieu, grâce à les hommes du média, je vis de mon art, puisque je n'ai plus d'autres. À part là, je n'ai plus d'autre activité que ça. Et que j'arrive à manger, j'arrive à mettre les enfants à l'école. Je ne peux pas mentir sur là, mais totalement, je ne vis pas correctement qu'il se doit. Chers téléspectateurs, amis internautes d'Ivoire TV, nous sommes à Toumodi, c'est le chef-lieu de la région du Bélier, à la rencontre de Gasco de Sanois, qui était souffrant aujourd'hui, retrouve sa santé progressivement, il va bien selon ses dires. Gasco de Sanois qui nous parle de son parcours musical. Dans ce lieu, Gasco, l'autre question qu'on voudrait vous poser, c'est de savoir... Gasco, il parle français, Gasco s'exprime bien. Parlons un peu de votre parcours scolaire. Merci, Ivoire TV. J'ai pas assez de longue étude. J'ai pas eu assez de longue étude. Mais j'avais mon directeur qui s'appelle Konokuna Michel. Il a dit: quand le maître te montre quelque chose à l'école, il faut t'appliquer. Non, le peu qu'ils m'ont montré jusqu'au CM2,
C'est sur cela que je me suis basé. Puisque je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Pas pour dire que je suis parti, j'ai échoué. Mais moi, je n'ai pas eu le temps d'aller, de fréquenter pour voir qu'est-ce que. Mais le peu que les maîtres m'ont enseigné à l'époque, je me base dessus et je m'applique pour que je puisse m'exprimer dans la public. Alors, vous venez de le dire, vous n'avez pas eu un grand niveau ou vous n'avez pas fait de hautes études. Mais est-ce que le peu que vous avez fait aujourd'hui, ça vous sert? Oui, j'ai dit Dieu merci, ça me sert puisque j'arrive à m'exprimer un peu en face de mes fans. Surtout quand je suis avec les gens du média, j'arrive à m'exprimer. Là, j'ai dit vraiment, vraiment, Dieu merci. Et ça m'a servi et ça continue de me servir. L'école est donc une voie qui vous conduit aujourd'hui à vos différents objectifs. Gasco de Sanois, après votre parcours scolaire, on va parler un peu de votre intimité. Gasco aujourd'hui est marié. Gasco a combien d'enfants? Gasco est marié. Gasco a 9. 4 garçons, 5 filles. Moi, j'ai 5 enfants. Ces enfants, comment vous les gérez? Ils vont à l'école? Moi, c'est moi seul qui n'ai pas pu fréquenter. Mais je veux que mes enfants... Moi, j'ai voulu être un pilote d'avion, comme je n'ai pas pu, ou bien docteur dans ma vie. Il faut que les enfants, au moins un, soient pilotes d'avion ou bateau, ou bien docteur. Donc, tous mes enfants fréquentent. D'accord. Gasco a combien de femmes? Une femme, mais plein de copines en tant qu'un artiste. Alors, il y a votre femme aussi juste à côté, toujours vous chantez, hein? Mamie Sorobois aussi a la voix qui touche. Oui, elle touche, elle-même, je suis en train de faire, elle a un instrument que je, qu'on appelle le bonjaké. Elle a la voix, parce que c'est ce que j'ai dit. Bob Marley, c'est comme ça la famille, aujourd'hui Bob n'est plus, mais on continue de faire son anniversaire. Donc voilà pourquoi je forme les enfants et Madame Amani. D'accord, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage. Hein? Gasco de Sanois, à un certain moment de votre vie, vous avez eu quelques difficultés, je dirais vous étiez malade récemment. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, ça va. Quel est le soutien que vous avez reçu ou reçu de la part des mélomanes, de la part de vos fans, des populations? Merci Ivoire TV. Je remercie à toutes mes fans, particulièrement à notre... surtout Ivoire TV et notre association Ecoléon et mon fils à Debakona et mon neveu aujourd'hui qui ne me connaît pas et moi je ne le connais pas qui est en France, Félix, qui me suit de près jusqu'aujourd'hui. Que Dieu fasse tout pour que tous mes fans réussissent dans leur vie pour pouvoir me soutenir, pour que j'aie surtout la santé pour pouvoir revenir sur scène et faire plus que ça. Donc, par l'intermédiaire de Voix TV, je remercie à tous ceux qui sont venus vers moi. Il y a des policiers, à la gendarmerie, surtout l'hôpital. Vraiment, ceux-là, c'est des gens à ne pas négliger. Ils ont travaillé sur moi. Alors, aujourd'hui, comment va Gasco de Sanois? Aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut dire Gasco va bien. Mais pour le moment, on ne peut pas dire très bien. Puisqu'on attend tous Gasco encore sur les scènes, sur l'immédiat. Comme Ivoire TV est en train de le faire, moi et avec le xylophone.
Il faut que je vienne sur, sur la scène avec le mortier, me voir un peu partout. Alors, sans le mortier, on va repartir en musique tout à l'heure. On y va. Merci, chers téléspectateurs, chers internautes d'Ivoire TV. À tout maudit, c'est la culture. À tout maudit, c'est tout ce qui est la promotion de la culture, de la paix. Et nous sommes avec tous ces grands artistes que nous avons eu l'occasion de voir ce matin, de les enregistrer avec Gasco de Stranouan qui est juste en face de nous. Nous parlons de son parcours musical. Gasco de Stranouan qui n'était pas en bonne santé aujourd'hui, il va bien. Gasco, nous allons allègrement vers la fin de cet entretien. Dites-nous aujourd'hui, les mélomanes qui vous suivent, le monde entier vous suit, vous êtes convalescent, comme vous l'avez dit, ça commence à aller, ça va. Quel est ce message? Parce que nous savons que c'est vrai, ça va, mais vous avez encore besoin d'appui pour que vous puissiez effectivement vous rétablir totalement et vous revoir sur scène avec votre mortier. Quel est le message que vous avez à l'endroit des populations du monde entier? Merci. Ivoire TV, monsieur François, je demande vraiment assez d'appui. Grâce à la mélomane, mon travail n'est pas facile. Et la santé est très, 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 très importante. Je demande à tous les mélomanes, tous mes fans, de venir à mon appui pour que je retrouve totalement la santé pour pouvoir promouvoir et plus que ça. Donc vraiment, je leur dis d'abord, je leur dis merci par rapport à leur prière, même s'ils ne sont pas à côté. Je leur dis merci. Mais qu'ils viennent beaucoup à mon appui, pour que je retrouve ma santé. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons mettre fin à cet entretien. Sachez que Gasco de Sanou a besoin de votre appui. Tous les artistes de Tout Maudit ont besoin de votre appui. Certains n'ont pas de manager, d'autres en ont. Mais le fonctionnement n'est pas comme ils l'ont voulu ou comme ils le veulent. Aujourd'hui, ils ont besoin de votre appui. Les artistes dans leur ensemble, les Gasco de Sanou en particulier. Nous vous attendons donc pour ceux qui peuvent apporter cet appui. Vous pouvez joindre Ivoire TV en inbox par Messenger et apporter votre appui. L'occasion pour nous de dire merci à tous ceux qui, depuis notre premier entretien, ont pu apporter leur contribution pour aider notre frère Gasco de Sanou à payer ses différents médicaments, particulièrement M. Félix Congo, que nous saluons, qui a apporté un appui conséquent à Gasco de Sanou. Et donner, comment nous pouvons le dire, une joie à toute la famille. Je salue tout le monde. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de voir l'oncle de Gasco de Stranouan qui est juste là pour le soutenir. Chers téléspectateurs, amis internautes d'Ivoire TV, abonnez-vous à la page officielle d'Ivoire TV, partagez, commentez, apportez vos appuis aux artistes de Côte d'Ivoire.
Merci donc de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Ivoire TV avec ce dernier son. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Ivoire TV. Abonnez-vous à Officiel Ivoire TV et également à notre page YouTube. Merci et bonne suite de programmes.